Bienvenue sur ATVE, la télévision qui vous sourit en direct depuis la brasserie de la Bourse à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Alors mon ami David n'est pas avec moi, je vais présenter néanmoins sa petite soirée de samedi soir. C'est le 30 juin avec un groupe extraordinaire. Il paraît qu'il n'est pas bien connu, mais c'est dû de la bombe. Bon alors samedi soir, tous à la brasserie de la Bourse à Pont-Saint-Esprit. Vous pouvez bien entendu manger, boire et vous amuser et passer du bon temps. Donc je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, c'est un spécial Goudargues. Donc je vais recevoir monsieur le maire et nous allons savoir tout ce qu'on peut faire à Goudargues, s'il fait bon vivre à Goudargues, tout ce qui fait le charme de cette ville d'eau qu'on surnomme la Venise gardoise. Et pour annoncer cette émission spéciale Goudargues, eh bien, nous avons un petit reportage à vous diffuser. À tout de suite. Alors l'histoire de Goudargues commence à partir du moment où justement on va pouvoir canaliser ça. Parce que si vous prenez l'étymologie de Goudargues, c'est Goudargues. Ceux qui sont ici peut-être reconnaissent quelque chose. Parce qu'il y a des sources qui émergeaient ici dans la vallée, qui jusqu'au XIIe siècle n'étaient pas canalisées, et donc allaient et venaient directement dans la vallée. C'était en fait un grand marécage qui s'étalait ici et qui empêchait l'installation humaine dans la plaine. Raison pour laquelle les premiers goudarguers y étaient installés sur la colline Saint-Michelet que nous allons aller voir maintenant. Une très belle vue sur la colline Saint-Michelet, qui est derrière, juste en face de nous, cette collinette que vous voyez, qui est véritablement le lieu de naissance de Goudargues. Même si on sait par des fouilles archéologiques qu'il y avait une occupation préhistorique, qu'il y a eu également une occupation romaine dans la région, on sait ici qu'il y a eu une grande bataille dans la plaine de Saint-André. Et si la colline s'appelle Saint-Michelet, c'est parce que la chapelle avait été consacrée à Saint-Michel et à Notre-Dame. Essayer de comprendre d'où vient cette eau, quelle est cette eau et jusqu'où ensuite elle s'évacue dans la Cèze. Vous avez une grande différence entre la couleur de la Cèze et la couleur ici de l'eau du canal. La raison en est simple, c'est de l'eau de source. Des sources pérennes qui coulent toute l'année avec le même débit, qui descendent de plateaux qui sont derrière, qui sont les plateaux de Méjane. C'est en fait une source que l'on dit de type vauclusien, de l'eau qui a été collectée dans le plateau de Méjane qui est derrière et qui émerge en plusieurs évents. C'est toute cette eau qui allait avant librement dans la nature que les moines vont canaliser à partir du XIIe siècle pour pouvoir d'une part assécher des terres et pouvoir avoir des terres cultivables et puis également cette eau qui était canalisée va être utilisée très rapidement au Moyen-Âge pour sa force. C'est la force hydraulique qu'on va utiliser pour mettre en marche le moulin qui permettra de moudre le grain et les olives, ce qui a été fait donc dès le XIIe siècle. Avant, les places principales, elles étaient au centre des villages, pas en extérieur comme ça. Et si vous regardez le vieux centre historique, il est là-bas. Mais au XIXe siècle, dans un souci d'hygiénisme, on appelle ça le mouvement hygiéniste, on a envie de mettre de l'air dans les villes, on va assez systématiquement créer des points d'eau à l'intérieur des villes, ombragés par des platanes qui ont été plantés en 1821. À cet endroit-là, il y a une partie d'une déviation du canal qui passe sous l'ancienne mairie. Cette déviation du canal
fait le tour du village de ce côté-ci et rejoint les jardins ouvriers. Alors l'histoire de Bouddha commence à partir du moment où justement on va pouvoir canaliser ça. Parce que si vous prenez l'étymologie de Bouddha, c'est Gu Veg. Ceux qui sont ici peut-être reconnaissent quelque chose, le Gu c'est le trou. Eh bien voilà, à ma droite, monsieur le maire de Boudargues, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, Lily. Alors je ne sais pas, peut-être Pouli, il vaut peut-être mieux commencer par parler d'âme. Alors Lily qui va nous parler d'une association. Mais d'abord, en premier, on va revenir vers le maire de Boudargues pour parler d'une commune de 1000 âmes et un peu plus. Tout à fait. Et la question, c'est est-ce qu'il fait bon vivre à Boudargues? Oui, il fait très bon vivre à Boudargues. La population est de 1000 habitants en effet. Mais on peut s'en rendre compte dès qu'un rayon de soleil ou des vacances sont là, il fait tellement bon vivre que le village déborde. L'été, c'est vraisemblablement 3500 âmes qui vivent sur la commune, plus les retombées des petits villages, des petites communes avoisinantes qui viennent dans le centre de Boudargues, qui a une activité économique et de services importante dans la vallée de la Sèze. C'est d'ailleurs le seul village qui est un centre de services et de commerce entre Barjac, au sommet de la vallée de la Sèze, et Bagnols-sur-Sèze et Pont-Saint-Esprit. Donc, voilà, vous venez de le situer. Donc Boudargues, ça se situe sur la vallée de la Sèze. C'est sur la vallée de la Sèze. Très jolie vallée d'ailleurs, puisque on peut citer vos concurrentes qui sont la Roque. Qui ne sont pas concurrentes, qui sont complémentaires et avec lesquelles on a tout à fait l'habitude de travailler. De Monclus, un petit village sur un pic au sommet de juste au-dessus de Boudargues, et avec la Roque-sur-Sèze et ses cascades du Sautadet connues. Plus beau village de France, classé. Hein. Oui, un des plus beaux villages de France, comme l'est d'ailleurs Aiguèze, toujours dans la même région. Alors, c'est une ville d'eau, Boudargues, bien que les canaux n'y passent pas, mais c'est par rapport aux sources qui émergent un peu de. À proximité, hein, alors et qui ont été canalisés dans voilà. Le temps. Voilà, alors la Boudargues a une source principale dont on ne connaît pas exactement l'origine. Hein, depuis de nombreuses années, encore récemment, un chercheur du CNRS est venu faire des mesures de la qualité de l'eau pour essayer de savoir d'où elle provient. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle vient du karst, mais d'où, on ne sait pas, peut-être du plateau de Méjane, voire plus haut, avec un débit important, constant, une température constante, ce qui prouve que l'eau vient du sous-sol profond, et qui traverse le village, qui a été drainé à une époque par les moines pour alimenter un moulin. Ce qui fait que cette source est canalisée, traverse tout le village, de chaque côté avec des platanes, des commerces, des terrasses, un endroit où il fait très bon vivre au bord de l'eau. Alors c'est vrai qu'outre cet aspect rafraîchissant, et puis c'est, l'eau attire le monde, hein, parce que ce canal-là, ça fait des plans d'eau, c'est vrai, c'est magnifique, hein, c'est vert, c'est... D'où le nom de Venise gardoise. C'est terrasse, tout ça. Alors outre cet aspect très, très rafraîchissant, attirant, est-ce qu'elle est exploitée d'une autre façon? Est-ce qu'on peut pêcher ou... Non, alors c'est une réserve. C'est une réserve de pêche, avec quelques truites. Donc la pêche y est interdite. Ah. Ouais, elle y est interdite, mais c'est une réserve de pêche et une association locale est en train de relancer un peu et le réalvinage en truites de la Sèze, en élevant ces truites donc dans cette fontaine, et ensuite organiser des parcours de pêche à la mouche, voire de pêche en no-kill, c'est-à-dire que on pêche le poisson pour le plaisir et on le relâche. Alors tout en étant près de la vallée du Rhône, ce genre de pratique ne se fait pas ici, vers chez nous. Il faut plutôt aller en Lozère. D'où l'idée intéressante de relancer cette activité sur les berges de la Sèze, qui elle aussi mérite son pesant d'or.
Alors à suivre, alors on a parlé bien entendu de qui faisait bon vivre à Goudard, on l'a bien compris. Il y a tous les services, toutes les infrastructures. Alors, salle des fêtes, terrain de tennis. Alors déjà oui, c'est un centre commercial de la vallée de la Cèze où on y trouve tout commerce. De l'épicerie au boulanger, à la boucherie, à la pharmacie. C'est important, hein. Tout à fait. Le boucher, alors, le boulanger, vous l'avez dit, je crois. Le boulanger, des commerces artisanaux. Un bazar, des commerces artisanaux, voilà. Donc on est bien équipé, bon, et une supérette pour faire les courses de tous les jours. Bon, à ça s'adjoint aussi des services importants pour la commune. Hein. On a 4 médecins sur la commune, un dentiste. Deux cabinets de kiné, deux cabinets d'infirmières, un vétérinaire. Donc je veux dire, on a vraiment tous ces services qui permettent de ne pas être obligé de faire 50 km pour trouver la moindre chose. Quoi. Et en termes d'économie, on peut parler de la viticulture et de quelques caves qui aussi ne sont pas... Alors tout à fait, il y a bien que la commune de Goudargues elle-même ne soit pas classée en Côte-du-Rhône, les communes avoisinantes, elles sont toutes classées et ont, au fur et à mesure des années, amené leurs produits à un très bon niveau, puisque souvent les médailles tombent dans le coin, que ce soit à La Roque-sur-Cèze très proche, à Cornillon, Saint-Gély, Saint-André-de-Roquepertuis, où là, on a vraiment des vins de très haute qualité, qui s'exportent beaucoup, en plus. Alors, il y a tout à Goudard. Alors, moi, qui étais cycliste, maintenant, j'ai un peu arrêté, j'ai moins le temps, je m'arrêtais toujours à Goudard, pour remplir la gourde. Je crois que je ne dois pas être le seul à faire ça. Et d'ailleurs, quand on veut promener la vallée de la Cèze pour les cyclistes, c'est merveilleux. Ce que je voulais dire, donc, côté sportif, le vélo, bien entendu, hein, ça ne m'agrée pas. Le vélo... Le VTT, la randonnée, puisqu'on a des sentiers de randonnée. La commune par elle-même fait 30 km². Elle a un domaine boisé qui remonte jusque sur le plateau de Méjane, Saint-Jean de Maruéjol, où là, il y a des balades magnifiques à faire en VTT, à cheval, ou à pied. Voilà. Et dernier mot, avant de parler du projet de Lily, auquel vous participez. Côté tourisme, vous avez un accueil, vous avez des campings? Alors, on a 5 campings sur la commune, de nombreux gîtes qu'on peut trouver sur le site internet de l'office de tourisme, Office de tourisme Val César, de nombreuses possibilités de loisirs qui vont en même temps que le gîte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va de plus en plus... à accueillir les gens en leur proposant l'hébergement, le couvert, mais aussi des activités pédestres, équestres, vélos. Alors on va avoir justement cette année à l'office de tourisme, en location, des vélos électriques pour pouvoir se promener sur la commune et les communes avoisinantes. Ça c'est bien, je connais. Voilà. Eh bien Lily, bonjour. Bonjour Max. Une association assez originale et qui devrait donner des idées à plein de gens parce que, ô combien utile, c'est lié avec la propreté du chien. Oui. Et tu as eu l'idée de dire, tiens, voilà, il y a quand même du monde à Goudard qui circule, il y a beaucoup de chiens et bon, on sait ce que c'est. C'est pas évident d'entretenir les belles allées le long du canal. Propre, et tu as proposé à monsieur le maire, à la mairie, au conseil municipal, je te laisse le alors, dire. Alors, je vais t'expliquer exactement. Tout à l'heure, tu as dit le projet de Lily. En fait, c'est pas spécialement le projet de Lily. C'est Lily qui est allée voir monsieur le maire et qui a fait une proposition au nom de Mademoiselle Pépard. C'est une modeste association qui a comme unique prétention que celle d'être parfaitement convaincue que chacun à son niveau a une aide à donner et un soutien à offrir. Donc, Mademoiselle Pépa, c'est une association de défense de la cause animale qui est représentée par ma chienne qui s'appelle Pépa, que tu connais d'ailleurs, oui. Puisque tu l'as vue. Et cette chienne, elle symbolise l'animal maltraité, parce qu'on parle du taureau par rapport à l'Espagne. Mais en Andalousie, dans toute l'Espagne, il faut savoir qu'il y a
jusqu'à 60 000 levriers galgo qui sont récupérés parce qu'il y a un massacre, il y a un martyr avec ces chiens-là. Le pourquoi, on ne va pas en débattre maintenant parce que ça serait un thème trop important. Donc l'association, elle veut utiliser tous les moyens artistiques, tous les supports artistiques et véhiculer cette idée-là de manière ludique parce que c'est trop lourd à porter, c'est trop lourd mentalement, psychologiquement, affectivement. Et de la lourdeur, on en a assez comme ça sur cette terre, donc on essaye d'amener quelque chose d'un petit peu bon, voilà. Donc Mademoiselle Pépa, en fait, elle, au travers Lily, elle est allée voir Monsieur Bonnefond. Et elle lui a dit, Monsieur Bonnefond, est-ce que vous seriez d'accord si éventuellement on pouvait ensemble faire quelque chose au niveau social et civique, c'est-à-dire, il y a un petit souci, et c'est que les chiens n'y sont pour rien. Et on a un superbe village. Et ce serait dommage de ne pas profiter de tous les aspects esthétiques qu'il y a dans notre village parce que les petites déjections de chiens, eh bien, c'est pas joli. Et en plus, ça pollue. Et c'est quelque chose dont on ne parle jamais et qui met mal à l'aise tout le monde parce qu'on ne va pas culpabiliser, surtout pas le chien, parce que le chien, il y est pour rien. Les propriétaires, parfois, n'ont pas des sacs. Et M. Bonnefond a eu une écoute extraordinaire et il m'a dit « Moi, l'idée me séduit. » On en parle, je te coupe, on oui, en parle dans certaines perds... communes, mais en termes de répression. Non, on non. Dit « Ah, moi, j'ai entendu souvent qu'il y avait des amendes si... » C'est pas l'esprit du village. Ah non, mais Goudard j'ai pas dit que ça... pas du tout avec ça. J'ai pas dit que c'était Goudard. Alors, je vais saisir l'occasion que tu as donnée pour justement rebondir sur ce que tu viens de dire au niveau de la répression. Ce n'est absolument pas la philosophie de la municipalité, sinon Mademoiselle Pépa ne serait pas avec. C'est quand même pas pour rien hein, que ça colle. Voilà. Donc par contre, il est évident aussi qu'il serait bon de rappeler, depuis le 2 avril 2002, si je ne dis pas de bêtises, M. Delanoë a décrété, a officiellement émis un décret qui statue sur l'obligation de tous les propriétaires de chiens, sauf les personnes handicapées, par exemple les aveugles ou les personnes qui ont des difficultés, de ramasser, c'est une obligation de ramasser les déjections de leurs animaux. Et ce qui est pénalisable, comme quoi tu vois, la commune ne s'est pas empressée de... Tu viens de dire la même chose que moi, mais avec plus de détails. La commune ne s'est pas empressée de dire, bon, on va pénaliser, super, grâce à ça, on va remplir les caisses. Ni répression, ni profit de la situation. C'était pour te reprendre à dire qu'on n'en a jamais entendu parler. Voilà. Il y a quand même eu une campagne de sensibilisation au niveau national. C'est un problème dans les grandes villes, du moins. Tout partout. Mais c'est vrai que là, vous c'est un petit village, 1000 habitants, et vous mettez ce projet, voilà, c'est bien. Alors, ce qui m'a plu, parce que bon, il y a M. Bonnefond qui est là, il y a mes copines, parce que c'est récent, je les connais depuis peu, Carole et Brigitte qui ont foncé dans le projet, et avec qui on est sur la même longueur d'onde. Alors, ce qu'on a décidé ensemble, parce que c'est tous ensemble, c'est plus Lily, c'est Mademoiselle Pépa et la commune, je tiens à le préciser. On a décidé ensemble, déjà, de faire une campagne, un lancement de campagne. Monsieur le maire va être exposé, et là je pense... Sur le marché. Sur le marché, avec les élus, avec Brigitte et avec Carole qui sont partie prenante à 100%, parce que ça c'est important, on ne fait pas les choses que tous les deux. Et on va expliquer ce que je suis en train de te dire. Monsieur le maire va expliquer ce qu'il a envie de dire et ce qu'il aura à dire. Je ne vais pas parler à sa place, certes. Et surtout, on va présenter un panneau. Je les remercie de m'avoir fait confiance parce que j'ai conçu un petit panneau. Parce que la mairie prend en charge l'installation, ce qui n'est pas rien, de 3 jolis distributeurs de sacs. Parce qu'on a pour souci, premièrement, la bienveillance, que tout le monde se sente bien. Et en l'occurrence, pas que les touristes, c'est pour les gens de tous les jours. Parce que Goudargues, c'est un village qu'on aime. Moi, personnellement, j'aime Goudargues. Monsieur le maire aime Goudargues. Nos amis aiment Goudargues. Nous aimons Goudargues. Et les gens qui ont leur chien aiment leur chien et aiment Goudargues. Donc, c'est un souci de bienveillance. Et c'est une intention véritable. Donc, il va y avoir ces distributeurs de sacs qui sont mis
en place par les services de la commune de Goudargues. Il va y avoir une coordination avec les services techniques et un bénévolat de la part de Mademoiselle Pepa au travers ma personne qui fera que ce sera une participation active sur le terrain pour faire le lien permanent. C'est-à-dire on ne se contentera pas de poser trois petits appareils. Non, non. Ça sera vivant, ça sera tous les jours. Il y aura quelqu'un qui va passer, qui va s'en occuper, qui sera là, qui fera le lien. Voilà. Campagne de sensibilisation. Voilà, et avec ce slogan qui nous convient bien. J'aime Goudargues, j'aime mon chien. J'aime Goudargues, j'aime mon chien, j'aime mon chien, j'aime Goudargues. Et crois-moi, Max, nous t'invitons à venir prendre le frais, à venir boire un verre à Goudargues. Tu vas être surpris de tous les animaux qu'il y a, de tous les chiens et de tous les gens fort sympathiques qui sont là. Et je pense que ça va très très bien marcher. Voilà. Ben, elle a pratiquement tout dit. Elle a tout dit. Vous êtes à moi de rajouter quelque chose. J'aime mon chien, j'aime Goudargues. C'est la conclusion pour inciter les gens à être... C'est un acte civil et de civilité. C'est aussi quelque chose qui, à mon avis, devrait pouvoir, puisque la vocation de son association, c'est d'aimer les animaux et d'aimer les chiens. Et c'est vrai qu'on haït souvent les chiens quand, sur le trottoir, on a marché du pied droit ou du pied gauche sur quelque chose qui n'est pas plaisant, en disant « encore ce chien ». Je tiens à souligner... C'est aussi une manière comme une autre de promouvoir l'amour des animaux. C'est exactement ça. C'est une façon de donner aussi une véritable place à l'animal. Et je remercie aussi parce que sur la pancarte, j'ai mis un levrier. Et ce levrier, je travaille beaucoup avec des gens d'Andalousie parce qu'ils sont submergés. Là, par exemple, j'ai organisé avec Zaza du Bel Air une journée où justement les fonds sont destinés à SOS Galgos. Et le fait qu'il y ait ce levrier, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espérance de l'autre côté en Espagne parce que c'est quand même quelque chose d'officiel. Et c'est un levrier, et c'est une pancarte qui a été créée pour cette occasion-là. Voilà, alors ça, je tenais à dire que ça me touchait beaucoup, donc j'y mets doublement plus d'ardeur, quoi. Voilà. Bon. C'est notre projet. Merci, j'ai rien d'autre à rajouter. Bon alors, Goudargues, vous savez presque tout, mais le mieux c'est de s'y rendre, hein, parce que vous ne pouvez pas vous embêter en allant à Goudargues, parce qu'on y est bien, il fait frais, il y a toutes les activités sportives qui peuvent vous intéresser, enfin, il y a tout. Sportives, culturelles, Et puis ils sont sympathiques les gens, alors, décontractés, ma foi, c'est pas quand vous arrivez là-bas, c'est pas Saint-Tropez, peut y aller avec sa petite voiture. La vocation touristique de Goudargues est de pouvoir accueillir un tourisme familial. C'est l'arrière-pays. Voilà. D'ailleurs, c'est de plus en plus la côte, l'arrière-pays. Et pour terminer, eh bien, Goudargues, ça fait partie de la communauté de communes Val-César. Et ça touche les gorges de l'Ardèche. C'est un site Aiguèze. Hein. Mmh. Encore un village classé plus beau village de France. Goudargues-Aiguèze, ça fait quoi? Ah, c'est-à-dire qu'il faut faire un petit détour. Goudargues-Aiguèze, c'est en voiture 20 minutes de voiture. Alors on va faire un peu par une route magnifique en plus. On traverse la Valbonne. C'est magnifique. Bon, il y a Barjac à côté. On n'a pas parlé du marché de Barjac, mais les deux marchés qu'il y a des antiquaires. Donc on reste sur Aiguèze. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un village médiéval, classé plus beau village de France. Et chaque année, il y a la fête médiévale. Et ça se trouve ce week-end, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet. Donc on fait un coucou à M. Vincent, le maire de... Comment c'est son prénom déjà? Vincent. À tous les Aiguezois et une bonne fête. Je pense que le temps sera avec vous. Je vous remercie d'avoir participé à ce direct. Et on finit avec une petite vidéo de cette fête médiévale que je vous invite aussi à aller voir ce week-end. Bye bye, à mercredi. Vous voyez qu'aujourd'hui nous faisons notre troisième fête médiévale. Nous avons réuni pas mal de monde, les gens commencent d'arriver à un nombre important. Le soleil est de la partie. Je suis avec le roi, je ne sais pas si vous le reconnaissez, avec ses fleurs de lys. Comme chaque année.
le roi W. W, c'est moi-même. Nous sommes heureux d'accueillir tous ces villageois, tous ces gueux et gueuses qui viennent se désaltérer et s'amuser avec nous. Et festoyer surtout, festoyons. Vous avez vu que notre village a caché son goudron avec de la paille. Nous avons décoré nos tavernes. Nous avons costumé notre populace. Des chevaliers, des troupes, des troubadours qui nous régalent et nous amusent. Voilà, exactement. Et nous avons quand même deux immenses troupes d'animation. Les chevaliers du roi René et la compagnie féodale qui font à peu près 50 intermittents du spectacle. Et nous avons quatre troupes qui déambulent dans les rues avec la musique, des combats de rue, cracheurs de feu ce soir, attaques de taverne, etc. On a mis les moyens pour qu'il y ait quand même de l'animation dans nos rues. Que les gens s'amusent, festoyons. Voilà. La taverne, on conçut plusieurs repas. Hein. Les menus sont vraiment d'époque. Cuisson au chaudron. Des garbouilles, des cuissons qui tournent. Un gigot à la ficelle, une gigouille à la ficelle. Ouais. De la ventrèche grillée. Grillée, n'est-ce pas ? Avec des petits oignons confits. Voilà. La cervoise, l'hypocrase. Toujours, toujours. Eh ben, on espère que ça sera un grand succès comme l'année dernière et l'année d'avant, qu'il y aura encore plus de monde, que tout le monde se régale. Quoi. Et en trois mots, festoie, festoyons, festoyez. Nous festoirons aussi tout à l'heure au bord de chaque taverne et j'espère que Monseigneur pourra tenir le choc. Bien sûr, bien sûr. Je me suis préparé à cet événement.